Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rome 2. Il y a eu une petite pause, désolé. Sur la série, j'avais un peu moins de temps, puis avec toutes les nouvelles annonces, là, ça modifiait plein de trucs à mon boulot. J'avais moins les motifs, je vous avoue, le soir pour tourner, donc voilà. J'ai fait une mini pause là-dessus. Bref, on reprend. On avait, si je me souviens bien, anéanti quasiment Syracuse. Il ne reste plus que cette unité. Alors, ce qu'on va faire... Pour de nouveaux ordres. Ouais, venir ici. Ah, il y a des rebelles, c'est vrai, je l'avais oublié. Ouais, bon, bah, ce qu'on va faire alors. À votre service. Toi, est-ce que je peux te mettre? Ouais. On va venir ici, on va les éclater, puis après, elle va repartir là, lui, il va repartir en bas. Et on devrait être bon. Donc, on est d'accord, c'est toi le dictateur, hein? Rufus. Julius Rufus. Yes. Donc c'est lui qui va lancer l'assaut avec le renfort de ses unités. Prêt pour vos ordres. Vers la victoire. Alors ouais, ça c'est un peu dommage. T'étais en fortification, je comprends pas pourquoi tu pars. Commandant. Ouais, bon, ça change pas grand chose. On va même avoir le renfort de la garnison. Et on va la faire parce que c'est la dernière fois qu'on se battra contre les Étrusques, pas du tout. Syracuse. Donc c'est parti, on y va. Derrière, je pense qu'il y a les Vénètes qui vont venir se suicider à Ariminium. Ce que fait le jeu quand il y a plus de ville et qu'il reste plus que des armées sans ville. Elles prennent de l'attrition autant qu'elles peuvent et puis autour où elles devraient disparaître, elles viennent se suicider. Certaines unités commencent à avoir 3 gallons de bronze. Ils vont peut-être passer un gallon d'argent. Sur cette bataille, ce qui va être très bien. Alors, conditions météo, très bien. Ah oh, bah en plus ils ont... Ah putain, forcément, ils ont un endroit de repli mais alors parfait pour subir un assaut. Bref, c'est pas très grave. Venez là. On va se mettre en tortue offensive le temps d'avancer. Vous allez avoir que la tortue défensive. Ouais. Alors attendez, par contre... mode garde. On va faire quelque chose comme ça. Hop. À votre commandement. Voilà. Les triari, je vous mets par là. Même là. On va avancer en formation. Sachant que j'ai une autre armée qui arrive derrière. Vous mettre devant. J'ai pas vu. Je sais pas si c'est dans la cave. J'ai pas l'impression. Si, là. La cave du tirailleur en plus. Donc je vais peut-être pas mettre les Vélites en première ligne parce qu'ils vont se faire choper. Maintenez la position. Je vais pas mettre le feu à volonté, bah j'aime pas. Je sais qu'on me l'a dit en commentaire, je sais plus si sur cette série ou sur la précédente, mais de laisser le feu à volonté activé. Mais je trouve que ça fait du trop de team kill. Donc, tu es deux triari, ok. Brave Romain, sans exception. Faire ça comme ça. La cave. La cave, je vais vous mettre par là. Tac, ok. Vous par là. Le général à ce niveau. Vous, je vais vous reculer d'un cran. Oui, commandant. C'est pas mal. Même encore un petit peu décalé histoire d'avoir un petit symétrie, voilà. Et tout ça, ça fait un groupe général, de formation. Voilà. Après moi.
Ouais, venez là. Alors, vous vous apparaissez là. Vous allez rester là, je pense, hein, la garnison. Ouais, je vais juste attendre. Tous de fiers Romains. Groupe de combat paré. Vous allez vous planquer dans la forêt, vous. Et puis, on va plus vous toucher. Ici, l'armée romaine avance. Ils ont un but totalement différent du nôtre. Alors, voilà ce que je voulais. Ah, vous apparaissez là, c'est pas idéal, bon. On va juste avancer là. Vu qu'ici on a des balistes, on va venir se mettre comme ceci. Gardez la vitesse. Voilà, et puis on va juste accélérer. Ça m'étonnerait qu'ils viennent. Toi, je peux te déplacer? Non. Eh, quoique. Quoique. Non, il se replace juste. Ok, alors ce groupe. On va faire un truc comme ça. Oh là! Des hoplites. Mince, je me suis trompé. Hop, on s'arrête. Pourquoi j'ai pas... Qu'est-ce qu'ils font là? Ils fuient? Pourquoi ils ont pas de drapeau? Étonnant. Et vous faites rien. Ah si. Bon. C'est bizarre. C'est très bizarre. J'arrive pas à les choper, sinon ça va, il y en a qui meurent, donc les combats sont bien entamés, très bien. Et ils envoient le général, ces idiots. Bon, mais envoyez le général. Vous allez arriver dans quelques jours, j'imagine. Ouais. Et ben on va pouvoir en profiter. C'est quoi le général attend? J'allais dire pour des hoplites aussi. Et attends, juste un truc, vous avez pas des lances? Non, les Triarii n'ont pas de lance, c'est les primes qui pèsent qui ont des lances, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à avancer ou on reste en position? Ça avance. Lancier paré. En formation carré. En carré. Ave. Hoplite paré. Equites. Prêt pour vos ordres. Alors venez là. Ok, bon je pense pas que l'autre armée ait le temps d'arriver. Toi t'as une portée de... Oh mais ça va. Artillerie de campagne parée. Même vitesse. Venez là. Alors ces imbéciles... Deves. Voilà. Commandant. Ont décidé de passer là. Au pas de course. Même vitesse. Après moi. Corse Parati, lancier paré aux ordres. Ouais, bon, mais ça va pas. Vous êtes sous le feu. Venez là. Cavalerie de mes. Là. Ok, on va venir par là. Au galop. On devrait les choper. Oula, les balistes, on va enlever ça. Vous êtes où? Vous êtes là? Ok. Vous tirez. Là. Qu'est-ce que vous êtes bête, vous? Deves. Maintenant, allez.
Ça tient, ça tient, ça tient. Ouais, non, si ça va aller. En fait, j'ai vraiment pas besoin de l'autre armée. Baliste, toi, tu vas tirer ici. Ouais, bien joué. C'est qu'une unité de l'Evesse. Faut même pas rester là. Ici on va venir là. Bon, ça va aller vraiment bien. On va prendre peut-être la cave d'ici. Mince. Voilà, c'est ça que je voulais, très bien. Là, ça va fuir, j'imagine. Putain, mais il se... Tiens, général. Voilà. Ça va fuir tout ça. Bon, mais ouais. Je m'attendais à une bataille un peu plus disputée, je vous avoue. Enfin, un peu plus disputée, à une IA un peu moins bête. Parce que là... Ouais, en carré, les triaris sont extrêmement résistants. Ouais, bon, en général... Vous, on va arrêter le feu. Cavalier de mêlée, pour la gloire. Felites, en cadence. Ok. Alors, les caves. Dépêchez-vous. La cave, c'est toujours la retraite qui est compliquée, voilà. Typiquement eux, là. Tu leur donnes un ordre, ils galèrent à le faire. À les suivre. Bon, eh bien, on va encercler le truc. Et ça va être terminé. Putain, c'est fou de ne pas arriver à faire une retraite. Bon, allez. En avant. Cavalier rapide à votre commandement. J'aurais pu me servir d'eux, mais c'est pas utile, franchement. Vous pouvez courir. Voilà. Général, pour la gloire. Equites, à l'attaque pour Rome. Tous les anciens romains. À feu. Triari, en avant. Tiens, y a pas une unité mobile par là-bas? Non, prime qui passe, Triari, prime qui passe. Ouais, non, j'ai pas de. On pourrait tirer là mais le faire du team kill sans rien. D'ailleurs. Putain mais t'as le feu activé toi. J'avais pas vu. Vos ordres. Allez. Pour la gloire. Dépêchez-vous. Bon, toi, on va choper eux. Voilà, avant que ça se barre. Toi on va choper eux. Ici, vous tapez là-dedans. Voilà.
troupes en avant. Commandant. On va essayer de terminer les hoplites parce qu'en fait là ils sont revenus. Voilà. Très bien. Donc, où est-ce que ça fuit? Ah, on va continuer, on a plein de galons à gagner là. Et toi, on va choper eux. Une cave qui va ensuite aller choper. C'est tous les mêmes, ouais, c'est la même unité. Ok, ça va fuir de partout là. Je vérifie qu'il n'y ait pas de... Mince. On arrête le tir. Viens là-dessus. Ah ouais, quand ils passent dans la forêt, faut les suivre parce qu'ils disparaissent et du coup, ils attaquent plus, c'est con. Vous allez voir, ah non, ça ils les ont vus. J'allais dire, vous allez voir, ils se sont arrêtés, mais non. Bon, malgré les bonus de l'IA, on a quand même très peu de pertes. Ouais, bon, ça c'est bon, ils vont être terminés. Je vérifie qu'il n'y en ait pas qui soit barré, que je n'ai pas vu. Bon, là-bas ils pourront pas de toute façon. T'as fini? Oh, tu vas chercher lui là-bas, bon, écoute. On va chercher lui là. Ok, toi. Toi, est-ce qu'il y en a qui sont partis par là-bas? Ça, je sais que ça peut paraître un peu long, un peu pénible parfois, mais c'est quand même le meilleur moyen d'entraîner ses unités, mieux qu'un champion niveau 3. Ouais, bon, écoute. Toi, tu marches, non? Non, tu cours. Y'a pas une cave qui fait rien, là? Attends. Non. Mais toi, par contre, tu pourrais aller... À votre service. Avancez. En avant. Cavalier rapide à votre commandement. Attends, toi, tu vas choper les 10, là, et là, qu'est-ce qu'on a? 30. Pour la gloire, commandant. Ouais, chope eux là. On va pas réussir à les avoir. Et j'ai pas le truc éparpillé. Non. Bon, et bien ça a été un carnage. Est-ce qu'on se dit que c'est bon là? J'ai l'impression, hein. Il y a plus combien? 22. Ouais, mais c'est cela, c'est pareil. Hein. Ils ont changé de direction, du coup. Ouais. Et eux, ils avancent en tortue, non? Bon, je pense que c'est pas mal. Allez. Victoire décisive. Alors, ah, des galons d'argent. Très bien. Très très bien, ça. Il est plus cruel de toujours craindre la mort que de mourir. 600 pertes, c'est quand même assez faible. On voit que eux en ont tué 587, nous on en a perdu 645, donc il y a eu une soixantaine de team kills, 80 et quelques même. La crainte de Deimos. Avancez, prêt pour vos ordres. Allez. On n'a pas du 100%. Avec ce qu'ils ont là. Voilà. Et on n'a pas une faction détruite là? Ah non, ils sont encore là, c'est vrai. À votre service. Alors, si je te mets en marche forcée, est-ce qu'il y a moyen d'aller là? Oui. Commandant. Toi. À votre service.
Toi, tu vas aller t'occuper d'eux. Ok. Ah mais Syracuse est complètement assiégé par Carthage, ouais c'est la fin de Syracuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Massailles, ok. Alors. Un rang supérieur pour notre dictateur. Alors déjà. De tir par minute pour toutes les unités d'engin de siège, ça peut être bien. Ça c'est pour expert en ingénierie, c'est pas forcément utile, il suffit de faire une brèche dans les murs. Plus 3 de dégâts infligés à distance, les dégâts à distance infligés par les unités en projectile, ouais. Morale pendant les embuscades ou la nuit. Loyaux défenseur et portée de déplacement et bonus de charge, je prends. Ensuite, alors déjà on peut te donner soit un niveau supérieur, autorité, recrutement, enfin plus 2 d'expérience au recrutement pour les unités d'infanterie ou alors sachant qu'on prend qu'un des 4 c'est ça? Ah non, peut-être pas. Et là qu'est-ce que t'aurais? Du gravita et du moral pour les unités. Je crois que je vais prendre ça plutôt. L'infanterie lourde est quand même... c'est la base de notre... de nos armées. C'est combien 65 d'influence, c'est ça? Ouais, 65 d'influence et 5 d'imperium. Ok. On va regarder juste 0 risque. D'accord, on va peut-être... Alors attends, qu'est-ce qu'on a ici là? Ok, donc on a un peu d'argent, on peut sécuriser la loyauté, plus 10 pendant 5 tours. Très bien, on va faire pareil avec toi. Voilà, pour se prémunir d'une seconde guerre civile. Alors toi, toi. On va faire les gens de notre partie. Hein. Toi, je peux te faire plutôt toi, oui. Qui est notre dictateur, enfin chef de famille, quoi, en gros. Tribun militaire. Donc on peut le nommer Kester. Ça touche pas, ça c'est bien, ça touche pas aux... aux influences, enfin aux, à la loyauté des autres parties. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rassembler des soutiens, répandre des rumeurs, rendre un service... Plus 1 d'autorité pour les membres ciblés de votre parti, plus 5 de gravita pour les membres de notre parti, non. Ah oui, ça c'est pareil, hein. Donc on peut augmenter notre gravita, et aussi augmenter, s'il est utilisé par un membre de notre parti, plus 4 de loyauté pour le parti ciblé, d'accord. T'as pas de partenaire, on peut trouver un partenaire. Il s'est marié à Genusia, ou Genusia Nerva, d'accord. Adopté, mais t'es pas de chez moi. Non, t'es déjà chez... Attends. Ouais, t'es déjà de chez moi. C'était pour toi que... Non, c'était pour qui? C'est où les triomphes? C'est là? Désigne un héritier? Non. Améliorer les relations, rassembler des soutiens, mariage politique. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est toi... ah non. Je dois pas avoir... Attends. Ça augmente pas? D'accord, ça augmente pas le gravitas, ça, hein, ok. Je voulais envoyer un émissaire là. Mais je vois que ça perd possible. Tiens, toi on va te chercher une femme. Alors attends, oui non. Envoyer un diplomate. Envoyer dans une province agitée pour régler certaines affaires administratives, avec un peu de chance, il rétablira l'ordre. Pourquoi pas. En Illyrie. Même si ça remonte, ça peut aider. Ou même à Cisalpine plutôt, ça descend.
Les jeux ont eu un grand succès améliorant l'ordre public dans la province. Très bien, montre-moi. Super, pendant combien de temps? Événement 12, super. Donc on va avoir différence culturelle, ça va baisser. Ok, alors on a notre flotte toujours ici. Qui est en train de se réparer, elle se réparera un peu plus vite je crois. Voilà, plus de morale plutôt. Ici on a réparé, on va rester sur une ville de niveau 1. Donc ça va être Carthage avec qui va falloir faire la prochaine guerre. On part sur quoi ici? D'accord. Attends, juste un truc. Est-ce qu'on avait tout ce qu'il fallait dans nos villes? Oui, j'ai l'impression. Ok, Rome, il n'y a pas moyen d'agrandir, pas encore. Ici, on est bon, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Ici, on pourrait la passer niveau 2, ça ferait quoi? De la croissance du taux de recherche, ah oui. Eh ben, on va le faire. Très bien, et on va donc passer le tour. Ouh, je t'avais oublié, toi. Ça y est, Syracuse a perdu Carthage. J'aimerais bien aller chercher une alliance chez les Celtes, là-bas. Les Celtes de Gaulle. Parce que quand on va attaquer Massilia, ça va être plus intéressant d'avoir des alliés, sinon je vais devoir ramener beaucoup de force au même endroit. J'ai cru voir échec de la mission. Alors, malgré la puissance votre puissance militaire incontestée, certains ont pointé du doigt le fait que votre cavalerie manque de force et d'effectifs. Ouais, j'ai cru voir échec de la mission. On va régler ce dilemme dans le prochain épisode, parce que là, la sauvegarde est faite. Dans les deux retours de mission, je sais pas si ça a été fait. Faction rencontrée, ok. Dans le prochain épisode, comme je disais, on s'arrête donc là pour aujourd'hui. Encore désolé pour la petite coupure sur la série, on repart de plus belle cette semaine, sachant qu'en plus derrière, j'ai deux semaines de vacances. Pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Donc, il devrait plus y avoir de coupure au niveau des séries. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous.